C'est parti pour un petit quart d'heure d'échauffement. Allez, je vais commencer à trottiner sur place. À Stéphanie qui se connecte. Allez, on va chercher à trouver un petit peu de relâchement au niveau des épaules, au niveau des bras, les épaules. Je peux monter un petit peu les mains, je ne les laisse pas pendantes comme ça, j'essaye d'être un petit peu dynamique. Et je vais commencer à faire des appuis gauche-droite, gauche-droite. Et de suite, je vais chercher la pointe de pied, tout du moins l'avant du pied, médio pied, pas de talon. Voilà, comme ça je sollicite déjà, je commence à sentir, je sollicite déjà les mollets. Le cardio commence à monter un petit peu, pensez à bien respirer, soufflez bien. Et maintenant je vais emmener la jambe droite devant et je garde en me mettant un petit peu de profil. Ok, j'essaye de ne pas être rigide au niveau des mains. Vous allez voir, on va essayer de faire un petit échauffement cardio box. Ça va être sympa. Et je vais changer la jambe droite pour la jambe gauche. Voilà. Toujours les jambes un petit peu fléchies, des appuis relativement courts. Je déplace mon bassin d'avant vers l'arrière. Et je peux commencer à monter un petit peu les mains. La main gauche qui va chercher à protéger un petit peu mes yeux. Et la main droite qui va chercher à protéger un petit peu le menton. Bon, je ne suis pas là pour vous donner un cours de boxe, hein, je vous rassure tout de suite. C'est juste histoire de mettre un petit peu de piment. Et je reviens de face. Je garde la garde un petit peu haute. J'essaye d'être relâché. Parce que si je suis raide comme un piqué, ça va être bien, admettons, si je veux encaisser des coups. Mais si je veux être dynamique pour lâcher un petit mouvement, bah forcément, si je suis raide, ça va être très dur. Allez, je mets un petit peu de rythme. Levez les mains. Et relâchez. Ok, super. Vous pouvez boire un petit peu. Petite gorgée. Et on y retourne. Les chevilles, la jambe droite devant. Un tout petit peu devant vous et des cercles d'avant vers l'arrière, avant vers l'arrière. Ok, l'autre jambe, jambe gauche. Cherchez à être bien stable dès le début de la séance, même si l'exercice est basique, pas des gros mouvements qui vous font mal, des petits mouvements. Jambe droite devant, derrière vers l'avant, arrière vers l'avant. Ok, pareil, arrière, vers avant, je change de jambe. Ok, super. Cédric. Ouais, c'est vrai, Cédric qui me dit, je suis resté un grand fan d'Elmer Footbeat, ouais, parce qu'on a exactement là, on a exactement les mêmes casquettes. Ok, super, allez, vous êtes prêts? On reprend notre petit footing. Et à mon top, on va lever genou droit. Allez, hop. Pour le gauche, gauche. Pensez à votre garde, pas les bras qui s'écartent. Ouais. On peut même imaginer la main droite qui va chercher la tête de l'adversaire et qui frappe. Mais la main gauche ne descend pas au niveau du bassin. Synchronisation. Là, je travaille bien les obliques. Droite. Ouais. Ok. Trottine. On se met en face. Les mains un petit peu levées. Et d'un seul coup, je vais taper des pieds comme ça, tac, 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 très vite.
Allez. Baissez vos appuis. Relevez. Encore. Baissez. Relevez. Ok, super. Décontractez. Ça commence à chauffer un petit peu. Genou droit. Gauche. Droit. Ok, je croise. Oui. Hey. Ok, restez en face de moi. Levez les mains. Petit appui. Baissez. Levez. Baissez. Relevez. Soufflez. Restez en mouvement. Toujours. Ah, on commence à bien chauffer. Ok, posez. Super. Soufflez bien. Vous pouvez boire. Allez, maman. On pose les mains au niveau des genoux. On rapproche les pieds. Pas forcément complètement serrés, mais pas loin. Et des petits cercles d'avant vers l'arrière. Alors ça, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Hein. C'est dommage. Mais c'est vrai que généralement, on a peu de temps dans nos vies et on va à l'essentiel. Mais ça, c'est toujours des tout petits exercices. On change de sens, derrière vers l'avant et de gauche vers la droite. Mais c'est des petits exercices qui sont très intéressants pour bien échauffer les articulations. Debout, le bassin de droite vers la gauche. Voilà, ça gentiment, vous faites pas mal. C'est vraiment pour déverrouiller un peu les articulations. Évitez d'avoir les jambes complètement tendues. Voilà. Et de gauche vers la droite. Ok. Bien. Allez, je me remets en footing. 7 minutes 30. On a déjà fait la moitié de l'échauffement. Ma jambe droite va partir côté. Je reviens au centre. Ma jambe gauche, côté. Ok. Levez les mains et cherchez bien. Si vous êtes bien, on peut commencer à accélérer un petit peu le mouvement, à être un petit peu moins stressé. Je relâche. Je vais lever genou. Ok, on reprend. Face à moi, jambe droite qui part à l'arrière. Je reviens milieu, jambe droite, genou, genou. Ok, mettez-vous face à moi. On fait le même mouvement, sauf que cette fois-ci, au lieu de lever les genoux, on va faire un tout petit squat. Je vous rappelle le squat. Le bassin légèrement, les pieds légèrement un petit peu plus ouverts que le bassin. Les pieds un petit peu plus à 10h10. Je vais chercher à descendre en gardant le dos et avec un point de vision. Le dos droit et un point de vision légèrement vers le haut. Pour l'instant, je ne cherche pas à poser les fesses, comme les haltérophiles par exemple, au niveau des talons. Ok, moi un petit squat, 90 degrés ici, là je suis bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, face à moi. La jambe droite qui part à gauche. Squat. 1, 2, jambe gauche.
soufflez bien quand vous descendez. Ok, restez face à moi. Voilà, on commence gentiment à monter le rythme cardiaque. Il nous reste 5 minutes. On va faire le même exercice, sauf qu'après les deux squats, je ferai deux montées de genoux. Un gauche, un droite. Et je repartirai dans l'autre sens. Ok? Jambe droite qui part à gauche. Squat, squat, gauche, droit, jambe gauche, centre, squat, squat. Hop, pardon, c'est moi qui me trompe. Allez, squat, squat, jambe gauche, jambe droite. Ok, super. Remettez-vous face à moi, tout petit peu plus attentif. Petit tapping. Les bras, coordonnez vos bras, voilà. Le tête, regardez loin devant vous. Attention pour l'accélération. Hop. Et petit appui. Allez, allez, allez. Relâchez. Trottinez. Encore. Vous êtes prêts? Deuxième assaut. Allez. Je maîtrise. Plus vite. Ok, relâchez. Ouh, commence à chauffer. Et le troisième. On est parti. Attention pour l'accélération. Ok, super. Relâchez. Essoufflez. Buvez. On va échauffer un petit peu le haut du corps. Vous avez vu, on est parti du bas et on remonte progressivement jusqu'au haut. On aurait pu faire l'inverse. Il faut essayer de garder une logique dans notre échauffement. Allez, les bras, balancier du bras droit qui va casser dans le dos. La main touche l'épaule, voilà, derrière, vers l'avant. Super, déjà, je fais attention à ma position, pas de genou verrouillé vers l'arrière. Voilà, toujours semi-fléchi. Ouh, allez, ça peut accélérer. Par contre, j'essaye de bien faire mon mouvement, de bien contrôler mes gestes. Ok, l'autre bras, bras gauche, derrière, vers l'avant. Donc ça, c'est pareil, quand on est nageur, par exemple, quand on fait du triathlon, les épaules, c'est un sacré dilemme parce que on a souvent les épaules complètement verrouillées. Ok, relâchez. La tête, alouette. Pareil, je suis bien stable. La tête d'avant vers l'arrière, de la gauche vers la droite. Tout doucement. Ça enroule. Soufflez bien. Si ça craque un peu, c'est normal. Mais faites ça tout en douceur. Des fois, il peut y avoir un peu d'air qui se met entre les articulations. C'est pour ça que vous pouvez entendre craquer, mais ce n'est pas forcément mauvais. Tant que vous y allez doucement et progressivement, vous pouvez mettre les mains sur les hanches et ouvrir les yeux de temps en temps. Ok, super. On fait l'inverse. De la gauche vers la droite. Il n'est pas rare de s'apercevoir que vous allez avoir un côté, même sur ce genre d'exercice, où vous allez vous trouver plus à l'aise,
Ok. Et maintenant, la tête simplement de gauche à droite. Doucement, toujours, sans vous faire mal. Pensez à vos jambes, les jambes pas tendues, les mains sur les hanches. Ok, super. On a fini notre échauffement. Ça va tout le monde? Ok, je vais démarrer la tablette. Ça va nous donner les temps d'effort. Et maintenant, on va passer sur la partie gainage. On va partir sur la partie des jambes. Ça va démarrer dans 20 secondes très exactement. On va commencer par un éducatif de course à pied. Le skipping ou les jambes tendues. L'idée, ça va être d'aller chercher pointe de pied, ou tout du moins médio-pied, l'avant du pied, d'avoir les jambes tendues et de chercher un beau rebond comme ça. Ah, j'ai pas mis le son. C'est parti. Allez. Regardez devant vous. Voilà, on vient de faire 40 secondes, je vous rappelle, si vous voulez continuer un petit peu, vous pouvez, sinon pour les autres, c'est 25 secondes de récupération, et de semaine en semaine, j'espère que ça ne durera pas trop longtemps, on croise les doigts, mais on augmentera les temps d'effort, on réduira les temps de récupération. Montez de genoux, essayez de ne pas pencher votre buste en arrière. Pareil, toujours. Essayez d'être sur l'avant de votre pied. Pas de buste arrière, les bras synchro. Regardez loin devant vous. Et les genoux montent à 90 degrés, mais pas forcément beaucoup plus haut. Pensez à bien souffler dès le début de l'exercice, parce qu'il fait monter un petit peu le cardio. Ok, super. J'ai choisi de commencer avec des temps d'effort courts, enfin relativement courts, attention, avec des temps d'effort, des temps de récupération un peu plus longs, parce que effectivement, quand on isole les muscles, d'un seul coup, ça peut nous provoquer quelques vilaines courbatures, et on va essayer de minimiser tout ça. Talons-fesses. Alors, vous partez tout doucement. D'un point de vue de l'amplitude, si vos talons ne touchent pas les fesses, c'est pas grave. Par contre, pas de buste vers l'arrière. Restez bien gainé. Regardez bien devant vous. Et au fur et à mesure où ça se délie au niveau jambes et au niveau des genoux, je me sens plus à l'aise. Je peux essayer de gagner un petit peu en amplitude de mouvement. Ok. Vous vous rappelez tout à l'heure l'exercice qu'on a fait pour s'échauffer. Je vais reproduire le même. Et j'essaye 40 secondes d'avoir exactement le même rythme. Donc pas à fond, sinon ça ne va pas le faire. Grandissez-vous. Ne bougez pas, j'essaye de rester sur place. Pensez à bien souffler, à bien inspirer, faites passer en apnée.
Encore 15 secondes. Allez. On commence à bien rentrer dans la séance. Ok. Nouvel exercice. Vous allez vous mettre sur votre jambe droite et je vais faire le pas du patineur en essayant de réceptionner jambe gauche. Appuie jambe droite, jump et stabilise, reviens. Bien. Faut bien que votre corps s'engage vers l'avant et que la réception soit propre, ça ne doit pas se taper. Jambe gauche. Ouais. Hop. Celui-là, je l'ai raté, on est d'accord. Très bien. On en refait un dernier à gauche. Yes, très bon exercice pour bien renforcer vos chevilles quand on court dans les sentiers ou même sur de l'enrobé. On a besoin d'avoir des appuis solides qui retransmettent bien notre force et notre énergie. Face à moi, le flamant rose. Tout simplement, j'essaye de maintenir la position. Alors dès que vous mettez un petit tapis, tout de suite, ça peut se compliquer en fonction de votre équilibre. En plus, vous me voyez bouger en face de vous. Alors que moi, j'ai ma chérie à côté, elle ne bouge pas d'un iota. Et tout de suite, on sent bien le travail de proprioception au niveau des chevilles. Et tout ça, ça vous permet d'éviter de vous faire de belles entorses. Ok, on va faire le même sur la droite. N'oubliez pas de boire, hein, vous avez le temps entre les petits exercices. Allez, vous êtes prêts? Dans 3 secondes. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Et si vous êtes vraiment très à l'aise, vous pouvez vous amuser à fermer les yeux 2-3 secondes et à les ouvrir. Si vous voyez que vous ne perdez pas d'équilibre, ben je peux prolonger le regard fermé un petit peu plus longtemps, une dizaine de secondes par exemple, ou vous comptez dans votre tête. Et sinon, pour tout le monde, on peut simplement essayer de maintenir la position. Et c'est pas forcément toujours évident. En fonction de ce qu'on a dans les pieds, si on a une chaussure bien souple ou alors si on est sur un tapis. Ok. On va se mettre au centre. On va faire l'horloge, un exercice que j'appelle l'horloge. Pieds joints, je vais jumper devant, revenir à ma position initiale. Et j'essaye de bien stabiliser ma réception, pas de talon qui tape, des appuis propres, comme un chat un peu. Gauche, droite, pardon. Reviens. Gauche. Le lustre. Et derrière. Allez, deux. Pas de talon qui tape. Et une belle réception bien amortie. On peut continuer là-dessus. Ok, super. On va faire le même exercice. On n'ira pas derrière. On va faire devant, droite, gauche.
réception pied d'appel, réception pied droit, on va dire. Vous êtes prêts? On y va. Reviens arrière. Côté droit avec quart de tour. Côté gauche, quart de tour. Allez, devant. Stabilisez bien et amortissez bien vos mouvements. Ok. Vous l'avez compris, on va faire le même exercice sur la jambe opposée. Alors, c'est pas forcément des exercices qui sont très durs, mais par contre, c'est important de bien les maîtriser. Parce que quand vous êtes dans des sentiers un peu escarpés, c'est important d'avoir une cheville qui tient. Et ça, c'est des exercices qui vous le permettent de le travailler. Allez, gauche, réception. Et vous allez peut-être sentir que vous allez avoir un côté que vous préférez. Donc si vous avez des voisins en dessous, ils vont être contents. Mais vous assurez, rassurez-vous, ça ne va pas durer toute la séance. Allez, encore un autre devant. Vous avez remarqué, plus vous agrandissez le saut, plus forcément c'est compliqué. Très bien. On va se remettre sur la jambe droite, un peu comme tout à l'heure, en levant. Et cette fois-ci, avec la jambe gauche, je vais chercher à aller toucher un plot imaginaire devant à midi, un plot imaginaire à 9h, à 6h et à 3h en passant derrière. Restez sur votre jambe d'appui. Midi. 9, 6 et 3. Continuez. Et je tapote le sol, c'est-à-dire que je ne prends pas appui. Pour bien rester sur la jambe d'effort, la jambe droite. Ça va commencer à chauffer un petit peu musculairement. Et là, on est vraiment dans des muscles. Travailler les muscles profonds. Très intéressant. En plus de la proprioception. Cette fois-ci, je passe sur la jambe gauche. Vous l'avez compris. Je vais attaquer par midi. 3 heures. 6 heures. 9 heures. Hop là. Ok, midi. Et là, vous allez vous dire que vous avez une jambe, normalement, sur laquelle vous êtes nettement moins à l'aise. C'est tout à fait normal. Mais par contre, ça peut vous montrer que si vous travaillez sur cette jambe qui est plus faible, ça va vous apporter de très bons résultats. Ok. Super. Vous vous rappelez des squats? Commence à faire bon. Les pieds, largeur de bassin. Légèrement à 10h10, je descends 90 et je monte. Verrouillez pas vos genoux quand vous arrivez en haut. J'inspire en descendant, je souffle en montant. Vous verrez, il y a plein de variantes à cet exercice, notamment avec de la charge additionnelle, mais avec d'autres méthodes.
Mais aujourd'hui, on va y aller tranquille. Une fois de plus, pour être progressif et pas se faire mal. On va passer sur les fentes alternées. Fente. Vous allez faire un pas vers l'avant. Tout ce que je vous demanderai, c'est que votre genou ne dépasse jamais votre pointe de pied. Là, on est d'accord, l'alignement est beaucoup trop long. Donc là, ce que je cherche, et j'alterne. Jambe gauche, jambe droite. Le genou peut entrer, de la jambe fléchie, peut entrer en contact avec le sol, mais il ne prend pas appui. Ce n'est pas une microseconde de récupération. Et pareil, restez bien gainé. Le buste ne doit pas bouger. Super. Vous vous rappelez le mouvement qu'on faisait tout à l'heure? Quand la jambe droite partait sur le côté gauche et la jambe gauche partait côté droit. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va inclure une fente. Les fentes de révérence. Allez. Donc là, je suis beaucoup plus dans les fessiers. Vous verrez, hein, si vous pratiquez la PPG d'une manière générale dans votre sport de prédilection, d'endurance ou même de hand ou de foot ou toutes les disciplines, vous allez progresser de manière naturelle sans modifier autre chose, parce que vous allez gagner en force avec la vitesse, vous allez gagner en puissance. Et donc c'est super intéressant de travailler. Le seul problème, c'est que des fois, on n'a pas forcément le courage de le faire. On préfère aller faire un bon footing ou des choses comme ça, mais je vous assure que ça apporte vraiment de beaux résultats. On va travailler les mollets. Tiens ma chérie, si tu veux venir là. Mollet gauche, vous pouvez vous appuyer. Tu peux mettre ta main sur mon... Et on va monter simplement. Voilà. Fais le droit, toi. Voilà, et on changera après. Vous cherchez à monter, stabiliser un tout petit peu en haut et vous redescendez. Évitez que le talon s'écrase complètement quand vous redescendez, vous essayez de maîtriser votre descente. Vous pouvez vous appuyer, vous, sur un tout petit mur, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de maintenir l'équilibre et de ne pas vous tracter. Ok, attention les mollets, un beau groupe musculaire, par contre c'est un exercice qui se travaille à la brûlure, mais allez-y progressivement pour pas vous provoquer des sortes de déchirures, enfin des contractures et après des déchirures qui pourraient devenir des blessures plus graves, ok? Donc là on va le sentir hein, tout de suite que ça contracte. Vous pouvez mettre une main sur le bassin. Contracter, essayer de maintenir. À deux, c'est pas facile, mais c'est pas grave. C'est bien aussi. Voilà. Je monte, je contracte, je redescends, j'essaye de contrôler ma descente. Ce qui fait que je suis presque tout le temps en tension sur le mollet. Ok, bien. Vous allez pouvoir prendre votre chaise qui doit être pas trop loin de vous. Évitez celle du meuble Louis XV, hein, de la grand-mère, parce que sinon vous allez vous faire dépouiller. Je vais simplement jambe gauche, restez en appui.
Pour l'instant, je prends appui en bas. Et dans la deuxième partie, je vais essayer de limiter le contact au sol. Allez, deuxième partie de l'exercice. J'essaye de remonter. Ça va vous obliger à bien rester en appui sur votre cuisse avant. Ça, c'est un bon exercice pour les trailers. Apprendre à... C'est tout bête, mais le nombre de fois où vous levez les genoux par-dessus un rocher, multiplié par la longueur de l'épreuve, des fois, ça peut faire mal. Jambe droite. Allez, j'essaye de bien maîtriser le mouvement pour être bien en équilibre en haut. Voilà, je stabilise toujours. Toujours recherche de proprioception. Deuxième partie. Synchronisation. Allez, ça peut chauffer éventuellement un petit peu dans les quadrilles, c'est normal. Emma, la fille à ma chérie, qui puis vive la potion magique. J'espère, Emma, que tu es en train de faire les exercices. Gardez votre chaise. Et cette fois-ci, on va chercher à descendre. Vous mettez sur la jambe droite et vous cherchez à freiner votre mouvement jusqu'à temps que vous soyez en contact avec la chaise, le bord de votre chaise. Pas l'assise, pas comme si j'étais en train de prendre l'apéritif. Une fois que j'y suis, je me relève et je contrôle. Si vous êtes suffisamment fort, vous pouvez essayer de vous relever. Encore un. Ok. Très bon exercice en excentrique. On fait l'autre jambe. Jambe gauche. J'ai dû... Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est pas grave. Jambe gauche. Allez. On va faire 4 mouvements. Contrôlez bien votre descente. Alors vous inquiétez pas, hein. Vous êtes des fois... Allez, c'est bon. Quelques-uns à dire, ouais, mais comment ça, on va avoir des cuisses, des grosses cuisses. C'est pas du tout le cas. Hein. Vous n'allez pas avoir les cuisses, vous pouvez le voir. On va prendre une petite minute pour nous et on va attaquer maintenant gainage abdos et le haut du corps aussi. Vous aurez encore besoin de la chaise tout à l'heure. Et c'est pas ce genre d'exercice qui va vous faire prendre 10 à 15 cm de tour de cuisse. Hein, je vous l'ai... Ça, faut oublier. Même les bodybuilders, ils n'y arrivent pas en s'entraînant des heures carrées, donc vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. Par contre, vous allez très bien bosser en excentrique. Et ça, pour les descentes, ça va vous apporter de l'agilité, tout comme la proprioception qu'on a fait tout à l'heure. C'est pour ça que je veux que vous ayez des chevilles fortes, des points d'appui solides. Et quand vous serez dans les descentes, vous aurez de moins en moins d'appréhension. Mais sur le plat, ça vous aidera aussi pour mieux transférer votre énergie. Allez! On est parti. Pour la deuxième partie de la séance, le gainage. Allez, planche, bras tendus, comme si vous alliez faire une pompe.
Et vous restez tout simplement comme ça. Donc là aussi, c'est pareil, hein, y a plein de variantes possibles. Mais comme j'ai l'impression que le confinement risque de durer un petit peu, enfin le couvre-feu, on va avoir le temps de progresser tout gentiment. Restez, je change de côté pour vous montrer. Ok, très bien. On va faire la même chose. Et cette fois-ci, ça va être le bras gauche qui va supporter le poids. On va se mettre de côté dans 10 secondes. Si c'est trop difficile, vous pourrez vous mettre sur le coude. Sinon, j'essaye de le faire sur le bras. Bras tendu. Vous pouvez lever l'autre main. Moi, je trouve que ça m'équilibre. Et j'essaye d'avoir un bel alignement. Genou, bassin, épaule, tête. C'est-à-dire de ne pas avoir la tête comme ça, ni la tête comme ça. D'ailleurs, ça me déséquilibre. Voilà. Et pareil, votre respiration. La main doit se situer environ au niveau des épaules. La main d'appui sous votre épaule, grosso modo. Et vous devez former un beau triangle avec le sol. Parfait. Vous l'avez compris, on va faire l'autre bras. Bon, je pense que ça doit toujours aller. Carole, salut Carole. Erwan aussi, salut Erwan. Pascal, salut Pascal. Voilà, tout ça c'est des... Carole, elle fait partie d'un club sur Poitiers. Ils sont très sympas, bon petit club, bien dynamique. Erwan, il court beaucoup sur le secteur de Pont, je crois. Je vois souvent des publications. Et Pascal, il fait partie d'un club du côté de Mazeray. Voilà, il est venu faire une petite séance découverte avec nous. Très sympa. Vous êtes nombreux à venir faire des petites séances avec nous. Bien entendu, c'est avec plaisir qu'on vous offre 3-4 séances gratuites pour venir découvrir notre association. Malheureusement, pour certains, ça fait beaucoup de route. Mais en tout cas, si vous êtes en vacances, n'hésitez pas à venir avec nous, prendre contact. Et ce sera un plaisir de partager. Sur le dos, excusez-moi. Les épaules, je lève le bassin et je lève la jambe droite qui reste dans l'axe de la jambe pliée, les deux cuisses bien parallèles. Donc là, je rentre bien dans le fessier. On va faire l'autre jambe, donc ça sollicite aussi bien les ischios, vous avez dû le sentir. Ah oui, Carole, elle me dit les galopins baillargeois. Oh là, je vais me faire étriquer. Allez, épaule au sol, poussez, tendez la jambe. Et respirez. Rien ne doit se faire en hypoxie, c'est-à-dire sans respiration. Donc là aussi, on a plein de variantes possibles. Mais pour l'instant, on reste là-dessus. Cette séance, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube.
Vous tapez simplement Yannick Gonzalez avec un Z au milieu et un S à la fin. Et vous verrez dans la rubrique entraînement, j'ai partagé quelques séances de renforcement musculaire. Ça peut, j'espère, vous motiver. On va passer sur les pompes. Donc, soit les genoux au sol, comme moi je vais les faire parce que j'ai pas fait beaucoup de pompes dernièrement, ou soit directement une belle position. Ok, et je descends. Et sinon, variante sur les genoux. J'inspire en descendant, je souffle en montant. Les mains pas trop écartées pour bien rester sur un travail au niveau de la poitrine, au niveau des pectoraux. Vous allez pouvoir reprendre la chaise. Et cette fois-ci, on va travailler les triceps, l'arrière des bras, les blancs de poulet, ces choses qui sont un petit peu vilains quand on vieillit, si on ne les entretient pas. Je tends les jambes, enfin pas forcément tendu, mais légèrement tendu, et je descends. Et les coudes restent bien le long du corps, c'est ça. Les coudes ne s'écartent pas du long du buste. Soufflez quand vous montez. Ok. Vous pouvez pousser la chaise. On va repasser sur les pompes, mais cette fois-ci, dès que votre buste rentre en contact avec le sol, vous lèverez les mains et vous repousserez. Je lève les mains et je repousse. Ok ? Allez, je me mets face à vous, je descends, je lève et je pousse. Cha ! Cha ! Cha ! Vous n'êtes pas obligé de faire cha hein, comme moi. Hein. Dès que vous sentez que vous avez plus d'énergie, vous passez avec les genoux, c'est pas grave, mais je continue à forcer. Ok. On va passer sur des exercices de gainage pur et dur. Il nous reste 12 minutes de séance. Et je vois que Peter ne s'est pas connecté. Vous connaissez Peter Josso? Je vous invite à tous l'inviter hein, par le biais de Facebook. Parce qu'il m'a réservé une petite surprise après pour vous. Allez, gainage. Sur les coudes. La planche. Et pour solliciter un petit peu le haut du corps, je vais monter, si je peux, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit. J'alterne, droit, gauche, droit, gauche. Ok, super. Allez, ouais, donc Peter, oui, qui a insisté, hein, m'a dit surtout Yannick, tu leur fais faire mon exercice de prédilection. Tu vas voir, ils vont tous adorer, ils vont tous... Allez, gainage, pareil, je reste sur les coudes. Soit je suis fatigué et je reste comme ça, sinon je peux commencer à m'amuser à lever jambe droite, doucement, poser, gauche,
Je me retire un point d'appui pour m'apporter un petit peu d'instabilité, provoquer un peu d'instabilité. Ok, bien. On va passer au gainage de côté. D'abord le gauche, et puis ensuite le droit. 10 minutes. Et après, c'est la quille. Allez, gainage côté gauche. Donc tout à l'heure, on était bras tendus. Cette fois-ci, je suis en appui coude. Très important, ça aussi. Hein. Ça limite, bien entendu, tous les risques de blessure. On travaille bien dans l'axe. J'ai presque envie de dire qu'il ne devrait pas y avoir de séance sans avoir un minimum de préparation physique. On va passer gainage côté droit. Et c'est pas forcément des grandes séances tous les jours, mais des séances de 5, 6, 7 minutes tous les jours, ou tous les deux jours déjà. Ça apporte de très beaux résultats, même si on n'a pas l'impression de se faire vraiment mal en fait. Mais par contre, on se protège bien au niveau des articulations, au niveau du dos. On est bien gainé. Et surtout dans la vie de tous les jours, quand on commence à prendre un peu d'âge, ça nous aide à mieux vieillir. Ok, super. On va passer au sol. L'exercice qu'on appelle le Superman. Donc sur le ventre. Et on va lever. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Je vais essayer de me positionner pour que vous le voyez bien. Bras et pieds. En cambrant légèrement le dos. Et sans vous faire mal. Toujours progressif. Voilà. Attention à la nuque. Si vous sentez que ça devient trop dur, vous pouvez faire une micro-pause. Il ne reste 15 secondes. Ouais. Au sol, pour les crunchs, sur les fesses, les abdos, je coince pas mes pieds, je le fais exprès, les mains au niveau de la nuque ou derrière les oreilles, mais par contre je tire pas sur la tête, elles sont juste en appui, et c'est les épaules qui cherche à monter vers le haut. Pas de tension dans la nuque, pas de coup brusque. Et j'essaye de travailler aussi bien en montant qu'en descendant. Si je peux éviter de reposer complètement les épaules au sol, je le fais. Vous allez comme ça maintenir une petite tension dans les abdominaux. Ok. Vous pouvez rester au sol. On va partir sur le même exercice, mais cette fois-ci volontairement. Au lieu de mettre les mains au niveau de la nuque, vous allez mettre les mains au niveau entre vos genoux
et vos pectoraux. Ça va vous aider à vous relever un petit peu. Soufflez bien quand vous montez. Enroulez bien. Vous allez peut-être sentir une légère brûlure. Moins je pose les épaules au sol, plus je contrôle ma descente et ma montée, plus je vais brûler ces abdominaux. Ok, super. Je vais passer sur un exercice complet qu'on appelle le sit-up. Cette fois-ci, je vais me servir carrément de mes mains pour m'aider à me relever dans la position que je suis à l'heure actuelle. Vous êtes prêts? Je descends. Nouvelle sollicitation différente de celle qu'on a fait juste avant. Contrôlez bien votre descente pour bien enrouler votre dos. Pas de dos creux au moment de l'impulsion. Le dos plaqué ou légèrement en rétroversion. Le bassin en rétroversion. Bien, allez, debout. Il y aura trois exercices. Je vais aller poser les mains au sol, les jambes vont se tendre derrière et revenir et je me relève. Les mains au sol, tends. Reviens, lève. Verrouillez pas trop vos genoux. Soufflez bien. Yes. On va faire le même exercice avec un tout petit saut. Donc une fois que vous serez en position debout, que les jambes reviennent, un petit jump. Allez, go. Soignez votre réception. Ok, le dernier pour Peter, donc je le mettrai en citation hein, pour que vous puissiez l'inviter sur votre compte Facebook et que vous lui mettiez des petits messages en disant que c'est un bourreau. Allez, vous voulez absolument que je vous fasse faire des burpees, le même avec des pompes. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Pompe. Reviens. Saute. Les mains le long du corps quand je pompe. Allez, accroche-toi. Allez, au bout.
Ok, super. J'espère que cette petite séance vous a plu. On était une bonne trentaine de connectés ce soir, c'est sympa. C'est super cool. N'hésitez pas à laisser un petit message si ça vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt sur les sentiers. Ciao !